Sarajevo sous une épaisse brume toxique. Le phénomène se répète par intermittence depuis le début du mois de décembre. Pour le deuxième jour consécutif, la société suisse de surveillance de l'environnement IQR a placé mercredi la capitale bosniaque en tête du classement des villes les plus polluées au monde. IQR compile en temps réel la présence de polluants dans l'atmosphère. Ces deux jours du début de semaine, Sarajevo a devancé au classement Calcutta, la capitale du Bengale occidental indien. La grande ville bosniaque est engoncée au fond d'une vallée et enregistre chaque hiver une forte hausse du niveau de pollution. L'augmentation du trafic automobile et l'utilisation du charbon pour le chauffage de la ville sont en partie à l'origine de l'aggravation de la situation ces 10 dernières années. Face aux polluants, l'utilité du port du masque pour se protéger ne fait pas l'unanimité au sein des professionnels de la santé. Maske, ja mislim se ne moraju nositi maske iz prostog razloga što najopasniji dio aerozagađenja, a to je takozvana fina prašina, PM2,5 i PM1, bez problema prolazi svaku masku i ulazi u plućnu barijeru. Probija i plućnu barijeru i ulazi u krvotok. Dakle, imali mi, nemali masku. L'Union européenne accorde des subventions à une centaine de villes pour les aider à atteindre zéro émission de polluants d'ici 10 ans. Sarajevo bénéficie de ces aides européennes. La municipalité a lancé un programme pour améliorer les performances énergétiques des transports publics et du parc immobilier.